Voici le coin chill out. Vous avez ici du thé et du café à disposition. Et vous avez ici des personnes qui vont vous maquiller. Voilà, au revoir. Oui. Du coup, c'est quoi la tisane? La tisane, c'est que j'ai chié dans la colle. Voilà. Jeudi, dans la journée, nous avons monté ce chapiteau, ce beau chapiteau. Ça nous a pris environ 4 heures. Et ensuite, on a pris l'apéro. Dans la soirée, on a réussi à monter un petit peu la scène, la mettre bien, droite aussi. Et ensuite, on a pris l'apéro. Le lendemain, vendredi, on a monté tout ce qui était structure, ici, en haut aussi, les lumières. Et on a branché les lumières dans la nuit de hier soir, vendredi. Et ensuite, on a pris l'apéro. Et maintenant, on est samedi matin, il doit être 9h30-10h, et ça va être speed. Ça a été un peu galère, on n'a pas pu rentrer le camion. Voilà, le fait est qu'avec 1h30 de retard d'arrivée de la scène, on n'est plus qu'à 50 minutes de retard sur le montage général. Donc là, on va absorber ça rapidement. Suite à l'adrénaline, nous. Peux-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire? C'est un cendrier. Oui? J'ai regardé le cendrier. Plus il fait chaud, plus les gens boivent. D'accord. Bah écoute, ça serait cool, c'est pour le petit film. Ouais. Bah la buvette, les gens vont venir avec des tixous et puis... Ok, donc ça marche par tixous, et voilà. Échange de monnaie. Sans échange d'argent sur la buvette. Quoi. D'accord. Tout se passera à l'accueil. Ok, très voilà. Bien. Et il y a quoi à disposition? Coca, Asti, eau, bière, ambrée, bière blonde, vin, rouge, vin rosé, et puis sandwich, okay. Jambon, rillettes, fromage. Il y a tout quoi. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée quand il fera beau. Alors visite du site hein, en direct, hein. Bon, on a la grande scène, hein. Oui. Bon, on a les chiottes, hein, nickel. Sèche. Hein. Bon. Là, si vous voulez retourner, on a le but du... L'accueil, hein. Bon, ici nous avons les loges. Par là-bas, chapiteau. Très beau chapiteau au passage. Hein. A été construit il y a 3 jours. Hein. Bon, à la chier. Hein. Bon, c'est pas moqué, mais bon, il y avait du. Bon, ben, là, le tondeur, tout ça. Et puis là, on va couper parce que bon, là, j'ai fini. Allez. Bonjour, depuis le début du festival, on fait que travailler, boire et peu dormir. Mais c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Voilà, et t'as une très belle moumoute. Salut. Alors, ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, parce que du coup j'ai pas dormi. J'ai tout pas. Tout non, si, on a picolé. Bon, on a fait ça entre deux bières. Là, je monte une batterie et je ramasse des stylos. C'est tout. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes là, vous? Je suis responsable décoration. Non, sérieusement, ouais, je suis responsable décoration. Et c'est moi qui ai fait toute la déco. Et ça se passe bien? Franchement ça va, on attend juste pas de pluie parce que les trucs qui sont en carton du coup on attend. Nous ce qu'on fait, on pose des jeux en bois pour que les enfants viennent s'amuser, même les grands enfants. Parce que c'est trop bien de s'amuser quand on est des enfants. T'en penses quoi? Entièrement d'accord avec lui. Ah exact, très bien. Et viens t'amuser avec lui après? Bah carrément. Ça fait un peu pédophile ce que tu viens de dire. Hein. Alors là en fait le problème c'est qu'on a tout branché sur la même ligne comme des connards. Et là du coup bah, on va faire 2 lignes. Parce qu'on a réfléchi un peu et on s'est dit que si on branchait tout sur la même ligne, s'il y avait la buvette qui sautait, la petite scène sautait aussi. Du coup on fait 2 lignes. C'est de la cervoise. C'est quoi? C'est un truc tout droit importé de Californie. Et ça passe Californie? C'est crédible? Oui. Ok.
Et voilà, c'est une boisson avec des bulles. C'est quoi ça s'agit ici? C'est nous qu'on s'occupe. Un an qui vole pour ce kilo, mon gars. Je suis recruté par Bic l'année prochaine. C'est nous qu'on s'occupe. C'est nous qu'on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. J'écris le planning pour les bénévoles. Pour voir à peu près ce qu'ils ont à faire, à quelle heure, etc. Pour pas qu'ils soient trop perdus, quoi. Allez, vas-y. Ça va, Sandrine? Tout se passe bien? Oui. Oui. Sympa, alors. Café. Un sucre. De quoi? Combien de café, frère? Combien de café? Tu veux un sucre? Tu veux un sucre? De toute façon, je pense que je vais vous laisser servir en sucre et en touillette, comme ça vous faites comme vous voulez. Attends, j'ai plus de choses. Ah, parce que c'est toi qui mets le sucre, toi, t'es... Non, mais justement, je vais faire les gilets. Ils ont de la place, vous pouvez pas prendre une photo. Oui, bon, bah ça va, hein. Je suis à ma place, là. Ma place, elle est partout, c'est ça qui est bien. C'est qui, ça? Ça, c'est les cafés, à mettre de la porte. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce bar, sinon? Oh, bah... Café, c'est bouillant. 2-3 heures. Rodel est dans la nuit. Désolé, j'en ai mis un peu beaucoup. Tu me diras s'il n'y a pas assez de café. Si, c'est bon. Le premier était bien. Ah, il est corsé. Oh putain. Ah, d'accord, mais c'est que je les bois comme ça. Bon, d'accord. Je vais mettre du havre. Bah, je mettrai un peu moins de. Micro, un café? Oui, c'est bon. Un café? Il est chiant avec sa caméra. Tu sais pas si tu dois être naturel, si tu dois faire le con. Bah, tu sais, Mick. Hein. Ah, une petite cuillère. Mais non, mais c'est bon, c'est Emmerich, Emmerich c'est un bonhomme. Soit, ça va. Je suis très heureuse d'être ici. C'est moi qui ai tout fait en fait. C'est moi qui ai tout construit. Le chapiteau toute seule. En fait, nous deux, on a vraiment taffé sur le projet, tu vois, de l'investissement. J'étais là dès le début. Dès le début. Oui, non, mais nous aussi d'ailleurs. J'étais même à l'idée. J'ai eu l'idée. Donc Johnny. Fondatrice. Exactement. Non mais c'est tout à fait ce que j'allais dire, c'est qu'en fait on est vraiment instigateur du projet. Voilà. Hugo n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Je veux dire, Hugo, par exemple, Hugo, oui, Clémence, pardon, tout c'est moi ça. Qui fait le projet. Clémence, tout ça. Vraiment, c'est des personnages secondaires. C'est des personnages secondaires. C'est des gens qui, voilà, qui ont œuvré vite fait les 3 secondes dans leur vie, voilà, au festival. Mais voilà, nous on a trouvé le site, mis en place les. Enfin voilà, on a fait beaucoup de choses en même temps et puis en même temps peu. Mais voilà, c'est complémentaire. C'est quelque chose de. Ouais, il faut qu'on y aille. Ouais, on a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Bonjour, nous mettons à votre disposition tout type de thé ou de café pour la maudite somme de 1 euro qui sera entièrement reversée à l'association Pouwindin. Merci. Je me chie la route, hein. Là, je me détends là. Là, je suis en plein dedans. Allez, salut. Côté détente, quoi. Ah bah là. Ah bah là, je te suis. Hein. Tu me suis là? Ah bah oui. Il faut que je te raconte une histoire? Oui. C'est l'histoire d'un pote. Il croise un de ses potes qu'il a pas vu depuis longtemps. Il le voit et il a la gueule en sang, il a le nez pété, il lui monte des cheveux. J'ai enterré ma belle-mère. Je te l'ai fait hier. Non, mais c'est que je la connais déjà. Putain, qui est ma mère? Bonne coupe. Démocratisation et accessibilité de l'art pour tous. Voilà, avec une série de street fish et une expo
que j'ai démonté il y a pas longtemps, un petit store sur un coin de Naples. Principalement de la peinture en mix média. Donc encre, aquarelle, acrylique, aérosol. Tout en dynamique collage, c'est tout collé. C'est okay. Tout travaillé sur de la nappe là en fait. Voilà, une petite maison d'édition avec des bouquins sur l'amour, la mort, philo, humour. Des petites repros d'art à prix supra accessible. Donc voilà, des petites repros de travail illustratif, des œuvres qui pourraient sortir en galerie mais là, qui s'invitent à la campagne. Non mais ça me dérange pas monsieur, vous savez, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu la bête quoi, parce que vous savez, moi je suis vieille, je suis veuve. Est-ce que je peux juste vous prendre une boule comme ça, s'il vous plaît, juste pour toucher, pour voir ce que ça fait? Parce que donc, le gars, il est un peu gêné, il fait « Ouais, maman, la petite vieille, ça fait longtemps qu'elle bon, a pas dû toucher ça. » Du coup, bah, il dit « Bon, d'accord, allez-y, il se cache un peu comme ça. » Puis il a fait « Oh, c'est si bon. Oh là là, dis donc, c'est super bien. Est-ce que je peux vous prendre l'autre? Parce que franchement, ça fait super longtemps et vraiment, là, j'ai trop envie. » Tu fais bien la petite vieille. Bon, ouais, non, je vais dire un dealer. Et du coup, le gars, il lui fait « Ok, d'accord. » La vieille fait « Oh là là, oh là. » C'est pas bien faire pipi contre le mur de mamie. Bah. Faut qu'il ramène un gobelet. Oui. Gros concept. Bonsoir les Mike. Bah écoute, c'est attends, parce que lui, on le filme pas souvent et moi je suis déçu. Parce que ce mec là, regardez-le. Il est pas beau. Il est où? Regardez. Ah, il est magnifique quand même. Ça fait bizarre. Alors je vous fais un plan à la One Again Bisto Fly. Et voilà. Donc là, nous avons Emmerich. Hein. Donc je le rappelle. Hein. Voilà. Il n'y a pas marqué Emmerich là. Photo, vidéo. Et puis c'est tout. C'est lui qui s'occupe de tout, hein, frère. C'est moi qui s'occupe. Voilà, de quoi ça s'agit? C'est moi qui s'occupe. Exactement. Je vais les rendre son outil là parce que. De la toute caméra, technologie, c'est moi là... qui s'occupe du montage. C'est moi qui s'occupe de ça. C'est moi qui s'occupe d'aller voir tout le monde, de demander ce que tu fais dans la vie, pourquoi t'es 7. Arrête de demander. Je vais les rendre la caméra parce que moi, toute cette technologie là. Salut là, c'est tout petit, t'as la possibilité de faire. Allez, je rends le capitaine. Merci. Bon, on va lui avoir rendu service une fois. Une fois, ou deux fois d'ailleurs. Non, faut pas saler puisque. Non, mais je te parle de ma mixture à moi. Voilà. Tu sais qu'il s'occupe de. J'en ai rien à foutre de ta mixture. Salut, c'est Oswan de la section cuivre. La section cuivre, Oswan. Sax, trompette. Trompette, sax. Super. Ouais, on va boire un thé. C'est le groupe du lycée. Un pote de lycée, donc ça fait 15 ans qu'on existe et qu'on tourne ensemble. On fait la fête. Ça prend forme, on est parti en tournée cet été, dans tout le sud-ouest jusqu'à Bayonne, enfin Bayonne en Vendaye. Ouais. Et puis voilà, quoi, ça prend forme tout ça. Et on verra ce que nous réserve l'avenir, quoi.
Bonsoir, je voudrais venir, c'est combien le prix? Comment ça se passe? Ah, c'est cher. Ah, c'est très, très ah non, cher. Là, ce soir, c'est cher. C'est une soirée exceptionnelle. Et voilà. C'est réservé à une clientèle VIP, très vite. Très il faut être bien habillé, voilà. Tout ah, ça. Oui, classe, pour classe. Ramener bon, l'hypothèque bonjour. De la maison c'est et tout ça. Éventuellement, ça. Si tu as, oui, ça te donnera l'accès. Voilà. À... D'accord, très bien. D'accord. Alors, je suis un enfoiré et je me et j'y vais en courant, on peut pas me rattraper. La technique, donc montage de tout ce qui était light sur scène. Voilà, notamment petite scène et grosse scène aussi. Je t'ai vu scène hier. Ouais, je t'ai vu hier sur la scène. Ouais. Et aux grandes scènes aujourd'hui. Ok, cool. Et toi, mon cher? Eh ben, écoute, moi, j'ai aidé à installer le matériel, la façade, la sono, on va dire, et puis. Tu t'occupes du son, j'ai bien compris. Et je m'occupe du son en remplacement. Oui, bonne soirée. On en avait entendu parler parce que c'est nos copains qui l'ont organisé. D'accord. Parce qu'il y avait des affiches. Ah, oui. Où ça exactement? Un peu partout, à Saint-Hilaire, et sur Facebook. Alors, c'est elle. Elle m'ont dit bon, faut quand même avoir nos copains jouer. Mais on a déjà joué. Sérieusement? Bah ouais. Ouais, mais elle a déjà joué en fait. On devait être bénévole non. Du coup. Non. Si. C'est con, hein. C'est con. Ah, attends. Alors, comment se passe la soirée pour toi? Bah, écoute, ça va bien. Ouais, merci. Tu tapes. Je vois que tu tapes. T'arrêtes pas. Hein. Bah, c'est vrai. C'est normal. Il faut aider les jeunes qui ont envie de s'investir. Alors, cas de pénurie de bière. Ici, nous sommes au catering, monsieur, ce n'est pas là. En d'accord, fait. Excusez-moi. Voilà. Comment régler les problèmes? En vrai, je suis en train de me dire que il y a trois jours, on est au taquet. Je sais plus si c'est ma tête qui s'en mêle ou quoi qu'il arrive, mais je crois que j'ai le cerveau emmêlé, en fait, en vrai. C'est pas les ondes, c'est mon cerveau. Bon jeu de mots, on apprécie. En particulier, enfin pour trois d'entre nous. Ouais. Et ça se passe bien. Vous avez entendu parler comment du festoche? Moi, bah en fait, c'est des copains à nous qui organisent ça. Et voilà, et du coup, on est arrivé ici. Tous pareil? Ouais. Moi, je suis arrivé par mouette, c'est tout. Par quoi? Par mouette. Par mouette? La Charente-Maritime. Ouais! On pourrait peut-être faire notre interview devant la scène. Explique-moi ce qui s'est passé. Les viols en scène? Ce qui vient de se passer? Les viols en scène? Alors en fait. Là, ça a coupé. Chut. On a eu un petit problème technique. En fait, on a fait tout le montage complètement bourré. Du coup, ça marche pas très bien. Alors, je me réveille. Ils ont mis pas. Le plus avec le plus. Je me réveille même pas qu'elle s'est branchée sur quelle prise. Ça a attendu 22h30. Voilà. Ouais, c'est cool. On l'a eu toute la journée. Il fallait mettre ça sur le temps. Voilà. Je crois que c'est dur là. Je crois que là, il faut pas que ça copie une deuxième fois parce que sinon, tu vas rester le doigt sur le dialogue. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'est pas les ondes qui vont s'en mêler, c'est mon cerveau qui va s'en mêler. Et je crois qu'il s'en mêle depuis un moment. Il s'en mêle plus. Arrête! Je démissionne! Ouais. En fait, on va vous expliquer le festival. C'est un peu compliqué. C'est l'histoire d'un petit nounours dans la nature. Alors, on a commencé par coucher ensemble, et après, on s'est dit qu'on allait faire un bébé, ça allait être un festival. Pour une petite pseudonyme. Et attends, on y arrive un peu mal. Bon, ok, il a un peu. Il a un peu trisomique. Un peu trisomique. Attends, je peux te poser une question? C'est quoi sur ton micro? Ça va vite! Ça sent la chatte! Ah merde! D'ailleurs, tu passes un bonjour à ta femme? Rigole. Non, mais c'est bon, ma femme est là. Tout sous les aides financières qu'il y a eu, leur gars, comment ça s'est passé? Ouais, bon, du coup, on a été. L'idée, c'est venu en février de cette année, quand on était en résidence à Port-Calquier avec le groupe Natis Rock. Moi, je suis venue pour faire les lumières à la base, parce qu'on fait pas partie du groupe. Et après, on s'est dit qu'on allait faire un festival. Elle était dans les chiottes, elle a allumé les lumières. Et du coup, on a fait un festival, on a parlé aux copains, les copains ils étaient chauds. Et du coup, on a fait un festival, on a monté une association d'abord. Après, on a fait une journée de soutien, concert de soutien. Et en fait, l'idée du festival aussi, c'était d'aider une asso humanitaire.
Arrête de te foutre de leur gueule, toi, je vais te la trappe aussi. Alors en fait, c'est que ça s'est passé comme ça. Oui, et après, je peux. Non, attends, on peut pas le dire. Ferme ta gueule. Deux secondes, allez, fini. Du coup, voilà, le 12 juillet, on a fait une soirée de soutien, on s'était 1200 euros. Et après, on a fait 1200 euros, on a eu des sous par le département. Ça s'appelle Projet Jeune, le CIDJ. 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 CIDJ représente RBZ. Ils ont filé 1000 balles, donc c'est assez cool. On est allé avec Yanis, Guillette, Jack Cool. C'était cool. Après, on a une subvention par la région. Le projet jamais engagé, mais on l'a pas encore, mais on l'aura sûrement. Après, tout le monde nous a aidé parce que tout le monde est gentil en ma tête. Et vous êtes content de. Vous êtes content de la tournure que ça prend, le site. Franchement, le site est super bon. Heureusement qu'on a. Merci aux bénévoles du montage. Même chose. Il a fini, heureusement qu'on a, mais il a pas fini. Il t'a regardé, c'est pour ça que tu dis ça. C'est pour ça. Je disais heureusement qu'on a un électro en or. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je sais pas. Vous avez un mot pour la fin? L'année prochaine. De la salade, l'année prochaine, il lâche rien. Hein. Big up. Ok. Ouais. Voilà. Merci. Thank you.